Vrai, vrai, là, disons-nous la vérité. Quand tu sors dans les rues d'Abidjan, tu ne sens même pas qu'en Côte d'Ivoire, on va organiser une Coupe d'Afrique. Tu vas lire, là, mon ami. C'est ça, là. On prévenait. On parlait. Il ne faut pas vous aller exclure les influenceurs. Pour que sur les réseaux sociaux, là, c'est-à-dire depuis un mois, là, c'est eux qui allaient faire le travail, le barin. Mobiliser. Matin, midi, soir, on allait entendre parler que de la CAN. Mais comme dans ce pays, il y a des gens qui sont dotés d'un esprit notoire de sorcellerie poussée, ils ont toujours tendance à croire qu'assis dans leurs petits bureaux lambrisés, eux, ils maîtrisent tout. Et quand tu parles, non, on maîtrise. Maîtriser, maintenant, on va voir. On a pris des artistes. Il a dit, quand la Coupe d'Afrique va finir, ils vous jugent. Coca ne pourra pas venir nous faire le point financier. Ils ne peuvent pas. 10 sous. Mais pourquoi? Ça veut dire quoi? On a compris que dans ce pays-là, il existe des gens qui n'aiment pas le président Alassane Ouattara. Ah bon, hein? Que tout leur travail-là, c'est voler. Ah bon, hein? Parce que si on veut compter sur ceux-là même qui dirigent l'organisation, on ne pourra jamais. C'est-à-dire, on ira de frustration en frustration. Pourquoi? Parce que dans ce pays, ce que le peuple veut, ce que les supporters veulent, on n'est pas prêt à les donner. Vraiment, ça nous met notre cœur mal au cœur. José, femme de Sérédier, capitaine légendaire de l'équipe de Côte d'Ivoire, champion d'Afrique de Côte d'Ivoire, lui son mousseau, va pas jouer lors de l'ouverture de la Coupe d'Afrique. Nous espérons, comme vous avez le don de venir nous dire, ce sont des rumeurs, c'est des fausses, nous espérons que c'est une fausse information. Attends, c'est fini. Assalfo et son goût magic system ont fait sortir l'hymne de la Côte d'Ivoire, c'est normal. Mais le son de l'hymne national est sorti, de l'hymne de la CAN est sorti. Tamsi a fait sortir coup de mâteau. C'est venu dépasser sa matière de vue. Allah. Franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchis. Ce qui doit venir, venira. Donc, on a l'hymne national, mais on a coup de mâteau, ben, 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 qui est à côté, que pendant la CAN, par exemple, pendant un jour, les éléphants jouent, avant que le match commence, on peut faire monter des artistes, mais le jour de l'ouverture, imaginez que ce serait beau de voir tout le stade rempli. Et puis José qui entonne ce chant comme un chant d'adoration vers Dieu pour que la gloire et la faveur de Dieu descendent sur la Côte d'Ivoire pour cette Coupe d'Afrique. Ah bon, hein? Ça là encore, il y a des apprentis sorciers, un cœur noir, mauvais, qui sont assis. Non, José, on n'a pas besoin, vous savez, vous êtes méchant. Tu vas lire ton nom, mon frère, on ne pleure pas. Même le vieux père Alpha Bondi a fait sortir son pour la CAN. Il doit être là. Oh! Magic System, Alpha Bondi, José, ces trois-là, minimum, ils doivent être là. Eh oui! La Côte d'Ivoire qui sera au cœur et au centre de tous les médias. On peut sentir que dans ce pays-là, il y a des hommes et il y a des femmes capables de faire sortir quelque chose de bon. Honnêtement, vous n'avez pas honte. Mais José, son hymne de la Côte d'Ivoire ne sera pas joué à l'ouverture de la CAN. Ouais. Moi, je ne comprends pas. Ouais. Vous faites fort, hein, les gars. Vous faites fort. Souvent, je me demande, quand vous êtes assis dans des réunions pour prendre des décisions, vous êtes tellement coupé du peuple, juste à un tel point que vous n'arrivez même plus à sentir la fièvre du peuple. Vraiment, ça nous dépasse. On aussi, là, on observe. Quand vous prenez l'argent du peuple pour organiser quelque chose pour le peuple, le patron qui est le peuple, là, apprenez à l'écouter, c'est très important. Je pense que c'est là où il y a le problème. Cette Coupe d'Afrique, là, s'il y a un organe qui est en train de le gâter au lieu de l'organiser, là, c'est vous. Vous comprenez? Ce que moi, je sais, c'est qu'après la CAN, moi, Camille Makoso et le peuple de Côte d'Ivoire, nous allons faire une pétition pour demander un audit de l'argent qui a été donné pour cette Coupe d'Afrique. Hein? Il faudrait que les députés puissent convoquer le COCAN, que ce soit la fédération
pour qu'il vienne s'expliquer sur les détails des dépenses de l'argent de la CAN. Et ça va péter. Parce que déjà, on demande au Premier ministre de faire un rajout. Le rajout, là, c'est par rapport à quoi? Ça, on va pas laisser ça. Vous attendez, vous allez fouiller. L'argent de la CAN, on va pas laisser ça. Et ça va péter. Ah? Péter. Oulili. Vous allez fouiller. Si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia, gonocorcie, syphilis, hépatite virale, sinusite, faiblesse sexuelle, frigidité chez la femme et d'autres maladies, contactez tout simplement le docteur Moringa. Il est la solution pour toutes vos maladies. Ok. Le docteur Moringa est situé à Yaoundé, rue Manguier, à 100 mètres de l'hôtel Manguier. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Hein? Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.